Bonsoir tout le monde. Comment allez-vous? Bienvenue chez le maître médium voyant Papa Oluwa Aziza. Je n'ai jamais fait cela. C'est pour la première fois que j'ai voulu faire cela. Parce qu'il y a des clients qui m'écrivent, me disent: Papa, est-ce que vous faites du porte-monnaie magique? Oh, j'ai des témoignages sur la chaîne, sur les réseaux sociaux. Même sur mon site internet, j'ai tous les réseaux, j'ai tous les témoignages, j'ai tous les services. Je fais un peu partout des services. Au fait, pour bien parler, il y a des gens, eux, ils sont là pour prendre l'argent des gens sans faire le travail. Ils prennent l'argent sans faire le travail. Et même si tu leur dis que tu as 5000 francs, eux, ils sont prêts pour prendre ça pour te faire le travail. Or que le travail de la spiritualité n'est pas comme ça. Le travail de la spiritualité, il suffit de faire du vrai, rien que du vrai. Parce que dans la vie, si tu fais du mal à quelqu'un, le mal te reviendra tôt ou tard. Si toi, tu n'es plus en vie pour recevoir ces mal, tes enfants sont là. Tes enfants vont récolter tous ces mal que tu vas faire aux autres. Il y a des personnes qui ont de l'argent pour faire le porte-monnaie directement. D'autres vont s'endetter pour emprunter de l'argent partout pour pouvoir faire le porte-monnaie, pour mieux résoudre leurs problèmes, pour être heureux dans leur vie. Mais eux, ils ne veulent pas comme ça. Ils ne veulent pas du tout comme ça. C'est pour pouvoir prendre l'argent pour bouffer. Et d'autres disent que le porte-monnaie n'existe pas et que c'est le retour d'affection, les bagues magiques, les savons de chance. Un peu, ils disent des choses, des n'importe quoi sur les réseaux sociaux. C'est pour cela que moi, je suis passé par ici pour vous montrer les travaux que moi je fais. Le papa Oluwa, moi je fais le porte-monnaie magique qui produit de l'argent. Ici c'est le porte-monnaie mystique, c'est le porte-monnaie même que moi je produis ça. Cette porte-monnaie, c'est ça que moi-même je produis. C'est le porte-monnaie que moi-même je fais la production avec ça. Est-ce que vous me comprenez? Et cette portefeuille, c'est le portefeuille que j'envoie aux clients. Vous voyez, c'est le porte-monnaie que j'envoie aux clients. C'est ça. Vous voyez le porte-monnaie maintenant. À présent, j'ai un client qui veut venir ici demain matin, très tôt, il sera là. Mais il n'a pas le temps de rester là et je vais faire la production. Sinon, il m'a dit qu'on va faire le vidéo ensemble, mais il n'a pas le temps. Parce qu'il aura, il a des invitations un peu partout. Donc, je dois faire la production maintenant. Et demain, lorsqu'il va passer, il va prendre ça. Moi, mon porte-monnaie est un porte-monnaie mystique. C'est un sac mystique qui produit de l'argent par jour. Par jour, mon porte-monnaie produit 1 million par jour. Et dans une semaine, ça produit 4 fois. Ça produit les lundis, les mercredis, les samedis et les dimanches. Moi, mon sac magique est un sac mystique avec lequel, une fois que tu as cet sac, la sorcellerie ne peut jamais te tenter, ni tes enfants. C'est un sac, lorsque tu as mis ça dans ta chambre, ça serait une grande protection pour toutes les personnes qui sont dans la maison où la sac magique a rentré dedans. Et ce sac, le sac là, mystique, c'est un sac qui se fait en un seul nom. Un seul nom, il n'y a pas de l'argent dedans. Oui, c'est moi, Papa Oluwa, il n'y a pas de l'argent dedans. Mais je vais vous montrer comment le porte-monnaie se produit. Il y a encore des retours d'affection que je fais. J'ai des retours d'affection que je fais. Ici maintenant, c'est un retour d'affection que j'ai fait. C'est pour la fille. Et j'ai fait pour la fille. J'ai fait pour la fille. Parce que c'est l'homme qui l'a aidé. Et une autre femme est venue arracher l'homme. Or que lui veut rembourser ce que l'homme lui a fait. Donc il est venu vers moi et il m'a parlé et je lui ai aidé. Je lui ai aidé. Moi je fais pas du faux, je fais du vrai. Parce que le vrai, c'est une porte qui est toujours ouverte, qui n'est jamais fermée. Encore ainsi que ici aussi. Ainsi que ici. Vous voyez un peu, moi je fais tout mon travail. Du bague magique, ça c'est une bague magique. Une bague très puissante contre sorcellerie, empoisonnement, c'est une bague très très puissante contre les mauvais esprits, tout et tout. Est-ce que vous m'attendez?
Ici, c'est une goutte magique. Et lorsque tu veux sortir de ta maison, même si tu prends un goutte, le petit truc là, tu prends un et tu bois, n'importe quel accident que tu vas faire, n'importe quelle malédiction qui va te rencontrer sur la voie, tout sera passé avant que tu viennes. Ton enfant a les maux de tête. Chaque jour, une semaine, ta femme veut accoucher, elle n'accouche pas. Ton enfant est malade, n'importe quelle personne est malade. Tu lui donnes un matin, un midi, un le soir, il sera satisfait totalement. Est-ce que vous me comprenez un peu? Maintenant, nous allons procéder à la production du porte-monnaie magique. Je vais vous montrer comment le porte-monnaie, lui, il produit. Mais bien avant, vous voyez, vous avez bien vu dedans. Mais bien avant, c'est ça. Bien avant, je vous ai déjà dit que cette portefeuille, c'est pour un client. C'est le portefeuille que moi-même, je fais ça. Mais c'est cela que je veux faire pour les clients. Est-ce que pour le client qui vient maintenant, est-ce que vous avez compris? Maintenant, le porte-monnaie, pour le faire, je dois demander les avis, l'avis des génies, l'avis de mes ancêtres. Je dois leur demander les avis. Ok, maintenant, ici, c'est un cola. Ici, c'est un cola. C'est un cola. C'est un cola ici maintenant. Est-ce que vous voyez un peu? C'est un cola. Maintenant, je vais demander l'avis au génie. Ceux qui comprennent le fond, vous allez comprendre. Mais ceux qui ne comprennent pas, ça fait encore comme ça. Mais une fois que, si vous voulez, vous pouvez venir chez moi, je vais vous le faire. Est-ce que vous comprenez? Je vais leur demander. Vous voyez, vous avez vu ça. Regardez bien, regardez très bien. Il y a un fermé et deux ouverts. Donc, ça explique que les génies sont d'accord pour que cette sac se fait. Ce que j'ai demandé en fond, j'ai demandé que le porte-monnaie est un porte-monnaie mystique qu'on doit faire produire. Mais la production se fait des jours. On n'apprend pas le travail. Ce travail, on l'apprend. Mais nous ne sommes pas Dieu. Nous ne sommes pas les ancêtres. Le travail peut disparaître un jour de nos têtes. Et on doit appeler les dieux de nous aider à faire la production. Maintenant, ici, ce sont les corées. Je vais encore prendre les corées. Je vais demander l'avis des grands, des anciens, pour leur demander si la corée peut produire vraiment. Mes anciens, donnez-moi l'ordre de faire la production de cette porte-monnaie mystique. Vous voyez, les génies ont dit maintenant que le client lui-même doit être là avant que je vais faire ça. Or que je ne devrais pas faire ça. Donc je vais les supplier. Je vais les supplier de laisser que lorsqu'il sera là lui-même demain, il va rembourser ses dettes. Mais quelqu'un bonnet à dire, bonnet bleu, et va sortir à Gmamiton et Ludomion et dans soi à Gmam. Ils ne sont pas du tout d'accord. Ils disent toujours la même chose. Il dit toujours la même chose. On va encore leur demander une troisième fois. Vous voyez, ils ont accepté. Mais c'est avec doute qu'ils ont accepté. Donc si je termine maintenant, automatiquement, je vais l'appeler et je vais lui dire que le travail, les génies ont refusé, mais on les a suppliés. Donc lorsqu'il sera là, on saura comment faire. C'est moi, maître Papa Oulua. Vous pouvez me contacter sur le +229 67 91 84 05. C'est mon numéro. C'est le seul numéro que j'ai. Est-ce que vous comprenez bien?
Maintenant, je vais appeler les dieux. Je vais appeler les dieux de m'aider à faire la production de cette porte-monnaie. Et si tu es une femme et je t'ai envoyé cette porte-monnaie et tu l'as fait, je vais te dire tout le totem que tu vas faire. Et avant que ça va produire, tu vas, si tu es une femme, tu vas appeler le grand banque, la plus grande banque qui est dans ton pays. Si tu es une femme, tu vas appeler ça 7 fois. Si tu es un homme, tu vas appeler ça 9 fois. Celui que je vais faire le porte-monnaie à un homme. Donc, je vais appeler ça 9 fois. Est-ce que vous me comprenez? Je vais appeler les grandes banques de chez moi ici. La plus grande banque de chez moi ici. Parce que c'est ici que je vais faire la production. Est-ce que vous me comprenez bien? Maintenant, je vais appeler la plus grande banque du Bénin. Les trois grandes banques du Bénin. Venez me donner la pouvoir de faire la production de cet sac mystique qui produit de l'argent. Venez me donner la pouvoir. Si vous dites je vais le faire, si vous dites je ne vais pas le faire, maintenant je vais encore demander l'avis des génies avant d'ouvrir cette porte-monnaie. S'il me refuse cette fois-ci, je vais abandonner. Et demain, lorsque lui-même sera là, on va continuer. Donc, je vais demander encore leur avis. Et si c'est un cola, vous connaissez bien, qu'on appelle vie, c'est un cola. Vous voyez bien? Maintenant, je vais demander encore leur avis. Cet avis sera demandé sur le portefeuille lui-même. Donc, je vais demander l'avis d'un génie. Minami Antiobo, Moussa Keloni, Tchikwe. Dodo Tobo, mi babo, ni Tchikwe, Baina Wabona, yo, Minami Antiobo. Vous voyez, les dieux ont dit que je peux faire ça avec sans doute. Ils ont tout laissé. Ils ont tout laissé dans mes bras. Que je peux faire ça. Donc, il n'y a pas de problème. Je vais ouvrir cette porte-monnaie pour vous montrer ce qu'il y a dedans. Moi, je ne sais pas si c'est de l'argent. Les génies, c'est les génies qui ont fait le travail. C'est pas moi qui a fait le travail. Moi, j'ai le pouvoir de le faire, mais c'est à l'aide des génies que moi je fais ça. Maintenant, je vais ouvrir ça pour voir. Regardez un peu. Vous voyez un peu ce qui se voit dedans, ce qui est dedans. On va un peu faire sortir ça. Regardez un peu ce qui est dedans. De l'argent. Ça a vraiment produit. Ça a vraiment produit l'argent. Vous voyez? Vous regardez avec vos propres yeux. Vous avez bien vu. Il n'y a pas de problème. C'est moi, Maître Oloua, Papa Aziza. Vous pouvez venir ici chez moi, au Bénin. Je vais vous le faire. Même si vous ne voulez pas, vous pouvez rester à l'étranger et je vais vous le faire. Moi, mon travail, je ne prends pas des millions, des milliards pour le faire. C'est un travail que si je te fais ça, j'aurai des récompenses. Si je te fais ça maintenant, moi-même, je n'ai pas besoin de prendre des récompenses parce que j'ai des enfants à l'étranger. Et mes enfants que j'ai à l'étranger, ils auront toujours besoin à l'aide de quelqu'un. Ils auront besoin de l'aide de quelqu'un et quelqu'un va les aider. Donc, moi, je fais cela pour le bien du monde. Parce que si tu fais le bien te reviendra. Si tu fais le mal te reviendra. Maintenant, je vous ai montré tout ce que je fais. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir resté avec moi. Je vous prie merci beaucoup. Ok. C'est le maître. Vous pouvez contacter sur le plus 229 le 67 91 84 05. N'oubliez pas le retour d'affection, la bague magique. Le goutte aussi est là. Les savons de chant un peu partout. J'ai tout ici. Avec le temps, je vais encore vous faire la démonstration du retour d'affection. J'ai des retours d'affection. Les clients me veulent venir et je vais faire tout devant eux-mêmes. J'ai des clients qui veulent des savons, des bagues. Je vais faire tout ensemble et vous allez voir. Comme ça, là, c'est du porte-monnaie. Donc, en bref, je vous ai expliqué les autres travails. Merci beaucoup. Merci.